Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de FIFA 19 sur PlayStation 4 et je suis en compagnie d'un ancien qui revient de je ne sais où, de Chine. De Chine. De Chine, c'est ça, de exactement. Chine. Je suis en compagnie de Flo qui est ravi de me mettre une piquette entre une petite escale en France pour repartir ensuite chez lui, ça va être magnifique. Toujours un plaisir de t'éclater. Magnifique. Donc, FIFA 19, édité et développé par Electronic Arts et EA Sports, sorti officiel le 28 septembre 2018, et Peggy nous le déconseille au moins de 3 ans, à savoir qu'on aurait pu aussi l'avoir le 26 septembre si on avait pris l'édition champion, qui elle, par contre, est à 90 balles. Voilà, est-ce qu'il faut mettre 30 balles de plus pour l'avoir 2 jours en avance? Voilà. Donc, on va faire un bref passage sur le menu, jouer le en ligne, ça n'a pas changé, mais moi je voulais que tu nous présentes ce fameux mode... dans le coup d'envoi, les différentes façons de jouer. Tu as le contrôle avec ta manette également, donc tu peux, voilà, tu peux nous guider, toi aussi. Alors, on va choisir notre camp. Très bien. Il faudra que tu crées ton compte parce que voilà, tu es un invité. Un invité. Et tu t'appelles Q. Parfait. C'est raffiné. Oudia, on s'attend à du grand cuit durant cette vidéo. Oui, c'est intéressant. Alors, les règles spéciales, c'était match classique, bon, ça reste du classique. Ça reste le coup d'envoi. Après tout ça... La série, oui. Disputer des séries de 3 ou 5 matchs pour déterminer le vainqueur de cette compétition. Petit challenge entre copains, quoi. Voilà, entre potes, le petit tournoi, quoi. Bon, en gros, on peut mettre des petits challenges, quoi. Et même le petit mode Champions League où tu peux jouer ça, un match de groupe, demi-finale. Ouais, c'est nouveau. T'as plein de choix. Et donc, les règles spéciales. Donc là, il y a du nouveau. Et là, ça peut rajouter vraiment un petit... un petit peu de piment aux rencontres avec les copains, quoi. Clairement, oui. Donc par exemple, distance, tout but marqué dans la surface, moi j'imagine que vous savez lire, compte pour un but, et ceux marqués en dehors compte double, excellent. La survie était beaucoup attendue parce que ouais. FIFA en avait parlé. Exact, alors ça c'est un vrai bordel, si tu marques, tu perds un joueur. Voilà, donc, le Battle Royale version foot. Exact, ça s'arrête à 4 joueurs éliminés par équipe. Pas les gardiens, bien sûr. Deux cartons rouges sont autorisés. Donc, les vrais bouchers, c'est pas fait pour eux. Mais pour les bouchers, le mode du fond. Le sans règles. Voilà. Moi, ce serait un monde parfait, un monde sans règles. Ce sera le porc. Tu faisais référence à des trucs sexuels quand tu parlais des sans règles? Oui, bien sûr. Nickel. Toujours. Bah, je parle toujours rouge, carton, règles, tout ça, on connaît. Du coup, écoute, ce qu'on va leur proposer, c'est que l'UEFA est arrivé, et on va se disputer un petit match directement en finale, comme ça ils vont profiter de l'intro, etc. On va se faire, bon ben le bon vieux, vous vous en doutez, Flo à chaque fois qu'il joue il prend le PSG, moi c'est United comme d'habitude. Ouais, c'est pas très équilibré mais bon. Tu parles pour toi? Non, absolument pas. Le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. C'est très très réaliste cette finale de Ligue des Champions. Mais tu commences déjà à me bâcher. Oh, et regardez le petit maillot. Petit maillot domicile, petit maillot extérieur et la série limitée Jordan, spécial Ligue des Champions. Aïe, petit aïe. Partenariat entre le PSG voit, Jordan. On voit le favoritisme. Tu veux jouer en noir ou bien je me fous en blanc? Bien sûr, je joue en noir. Et même en rouge, hein, je pense que ça passe. Tu crois qu'en rouge on peut se différencier? Je sais pas. Ouais. Oui. Oh, ok. Très bien. Tu l'as dit. Gestion d'équipe, partons là-dedans. On est parti. Tu parlais aussi défensif, etc. Je te laisse expliquer vite fait. En cours de jeu, donc là, bon d'abord, je vais faire ma compo. Fais ta compo. Ok, nous faisons. D'abord, on va faire la petite compo de base. Le fameux 4-1-2-1-2 resserré pour moi, on le sait. Angleterre 2008, défaite face au Portugal. Je vous c'est bien garde. Ça. Bon, Marquinhos, il n'est pas champion du monde, donc c'est Kimpembe qui jouera à sa place. Bien entendu. Ah non, mais pareil, on nous parle de Buffon 88, mais il n'est pas champion du monde. Areola, oui. Rabiot, il n'est pas champion. Le mec fait carrément de la sélection naturelle. Ah, bien sûr. Rabiot, bon, il joue, mais il n'est pas vraiment champion du monde, ce petit bâtard. Bon. Et du coup. Non, plutôt Kurzawa à gauche. Matic, il me l'a monté à 86. Bernat, Embrel. C'est magnifique, ça. Ouais, t'as des bons joueurs, t'es une bonne équipe. Bon, ça suffira pas, mais c'est déjà bien pour toi. Eh, arrête. Oh, c'est pour rire. Milieu offensif centre, j'ai un petit Jesse Lingard. Alors, bon, pour le. En cours de match, on peut toujours choisir de jouer en mode offensif, ultra offensif, attaque de folie, ou défensif, etc. Là, et les joueurs de base se placer sur le terrain pour l'activer. La compo reste la même. La compo restait la même, mais les joueurs jouaient plus haut. Quand tu jouais en ultra-off, c'était ton défenseur central qui montait en attaque, etc. Ouais. Donc là, dans modifier plan de jeu,
on peut carrément, enfin, là, si imaginons qu'en cours de match je passe à gauche, donc en mode défensif, ouais, c'est carrément tout le dispositif qui va changer. Donc là je peux choisir, là je suis dans ce mode là, je peux choisir donc de jouer. Donc en gros il suffit que tu switches avec la touche gauche vers le défensif et là t'as carrément changé la compo de tes 10 joueurs quoi. Exactement, regardez par exemple là si je passe en défensif j'aurai cette équipe là, donc je peux choisir de mettre, je mettrai Neymar, Cavani, en fait, Mbappé devant. Sur un jeu beaucoup plus tactique quoi, clairement là c'est. Ah ouais, tu peux. Bah, disons que t'as ces petits changements en cours de match qui sont sympas quoi. Ouais. Qui font un petit peu la différence je trouve. Bon mais très bien. Écoute, moi de mon côté moi j'ai terminé. Excellent ça. J'ai terminé. Allez, je vais me faire un petit kiff là. Voilà. Rapidement. Si jamais. Oula, non, qu'est-ce qui se passe? La nouveauté aussi à savoir, pendant que tu termines, nous avons toujours donc Pierre Ménez et Hervé Matou à la table des commentateurs. Toujours yes. Pierre Ménez fidèle à lui-même. Ah oui, mais tu modifies carrément la position des joueurs. Oh, non, mais là c'est juste au cas où si j'ai vraiment à t'humilier. On joue pas notre. Oh putain. Là, c'est moi vraiment... qui lui dis on joue pas notre vie. Le mec cherche à me get rect quoi. Ah ouais. Je vais faire une miniature, je vais écrire Triguet dessous ma gueule. Voilà, si je joue offensif, ce sera comme ça, donc là, tout pour l'attaque et on sera vraiment dans l'humiliation. On comprend du coup pourquoi ce jeu a une note générale de 17 sur 20 sur Game Ranking. C'est une très bonne note, ça, j'ai jamais eu ça moi à l'école. Bizarrement, tu sais, on était tous à peu près dans le même cas. C'est clair. Du coup, la nouveauté aussi, c'est la touche rond. Quand est-ce qu'il faut tirer également? Ouais, les on frappes, a on deux styles de touches. Vous pouvez appuyer d'abord sur rond dans un premier temps et retirer une fois que vous avez votre barre. En fait, une barre se crée avec du rouge sur les extrémités et du vert au milieu. Et vous devez faire rond à ce niveau-là. Pourquoi faire ce mode? Parce que vous pouvez préparer votre tir et si au final vous... Bah, vous ne voulez pas tirer, vous n'avez pas à re-appuyer sur rond et du coup vous avez fait une fin de frappe. Sinon vous n'avez qu'à appuyer aussi sur rond dès que la balle est dans vos pieds pour qu'il tire directement. Donc deux façons de tirer, deux approches différentes. On se rapproche encore plus dans un jeu où est-ce que la tacticité est maître dans ce nouvel opus. Voilà, vous voyez quand je tirais normalement, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui se passe. Enfin c'est une frappe classique. C'est une frappe, ouais. Bon là je ne sais pas ce qui se passe. On va le refaire rapidement. Si je frappe normalement, et si il y a la barre. La fameuse barre. Donc alors, si je reste appuyé, il faut arrêter dans le vert, quoi, et la frappe sera plus belle. Vous le voyez pas du tout, puisque je suis nul à chier. Mais voilà, nickel. On a vu en fait, j'ai du de la merde, vous pouvez me lyncher, insultez-moi. Ouais, bah enfin, vous allez vite changer d'idée en voyant, si vous découvrez avec nous, que le match sera à sens unique, tout simplement. Oh, ouais, alors voilà, on voit le petit travelling horizontal avec la présentation des joueurs. Incroyable, cette musique. La musique de la Champions League, enfin. Est-ce que tu trouves que au niveau de la motion capture, c'est plutôt bien fait? C'est propre. C'est propre. Matic, peut-être, bizarre. Ouais, non, c'est possible. Après moi, c'est Young que je trouvais super bien fait. Derrea, excellent. Valencia aussi, très bien. J'espère qu'on va voir les joueurs du PSG. Merde. Est-ce qu'on va te voir? Normalement, oui. Alors. Il est beau, Di Maria. Oui, non, c'est bien fait, très bien fait. Et Cavani, est-ce qu'il est beau? Aussi beau en vrai que dans le jeu? Monsieur a pris l'avion avec lui, ça y est, c'est bon. C'est quand même, c'est un frère, c'est le sang. C'est le Roya. Bon, eh bien allez, on va passer ça, on va se lancer. Allez, go. Et est-ce que... Attends, parce que là j'ai le mode entraîneur. Toi aussi, voilà, pareil pour moi. Je sais faire. Personnaliser du coup les commandes pour ma part. Entraîneur FIFA, moi il est masqué. Et est-ce que j'ai le tacle et le contenir? C'est bon pour moi. Il faut savoir qu'en vente ses règles, il change ses trucs là. Exactement. Ça c'est pas vrai. C'est pas un puriste. Non, voilà. Enfin, et remarque, tu sais que tirer le maillot et tout avec croix, c'était ça les se anciens, faisait dans c'est les vrai, anciens c'est FIFA. Et moi du coup c'est resté. C'est bon, tu as pu? T'es peut-être plus un puriste que nous finalement. Ouais, ouais, c'est parti. Peut-être plus un puriste, mais plus un noob aussi dans l'âme. Hein. Vous aussi, par exemple, quand j'ai le ballon, j'ai pas le ballon, donc là moi j'ai le petit curseur contre, bleu. Quand j'ai le ballon, je peux jongler avec R3. Et on peut, ce qu'on pouvait pas faire avant, avancer en jonglant. Vas-y, je te laisse faire. Moi, en fait, ne me demande pas de faire du skill sur FIFA. Hein, c'est vrai. Non, mais je veux dire, alors quand on a pas le ballon, faute, très bien. Là j'ai Neymar par exemple. Si, et. Oh là là. Attends. Essaie d'abord déjà de contrer ça. Ouais, je sais pas comment contrer. Alors, quand je n'ai pas le ballon, j'ai le curseur sur le joueur que je sélectionne, bien sûr, et le curseur bleu. Et un autre curseur blanc, presque transparent, indique le prochain joueur qui sera sélectionné. On a vu que Rabiot était bien fait, sachant que dans les anciens, il était très mal fait. Tu trouves qu'il était moche? Dans les anciens, il était pas modélisé.
Ok. Oh, déjà, qu'est-ce qui me le fait tomber là, salaud. Et c'est récupéré par la défense. Oh, le shot dans la tête. Attention à Neymar Junior. On fait du catch là ou quoi, mais... Putain, c'est la merde, et c'est le mode sans règle ça ou quoi. Allez, 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 on va me changer ça, on va me changer de côté là. Allez, Polo. Polo, Paul, Pogba. Ça, c'est une chance. C'est la pioche. La pioche. La fameuse. Content que la France ait gagné la Coupe du Monde du coup. Non, pas du tout. Ah. Je rigole, j'ai pleuré. Sérieux, t'as pleuré ou pas? Oui, j'ai pleuré de joie. Vraiment, ouais. Oui, mais moi, je pleure. Il y en a qui pleurent. Pour l'équipe de France et le PSG, je peux pleurer. J'ai marqué. Regarde. Oh non, j'ai fait la passe. Le nul. Le nul. Non, non. Mais quoi? Oh oui, oui. Ah, oh, c'est trop beau. Il était magnifique. Mais t'es sérieux? Ouais, je m'excuse, il est un peu nul à chier ce but. Mais marqué comme ça, la 13ème quoi. Ouais, ouais, surtout que c'est un peu dégueulasse. On a mis quoi, 4 minutes en plus de match? Ouais, là, vraiment, on a pas déconné. Non, mais c'est bon, moi ça me suffit, hein. J'ai pas envie de prendre un 6-0 non plus. Oh, mais même avec 4 minutes, t'inquiète. Bon, il est dégueulasse, ce but est dégueulasse, mais Non, mais c'est un traître en plus, il est parti de Manium et tout, tu vois. Voilà. Vous l'avez traité comme une coupe de la merde. Mais c'est pas moi, hein. Tu sais, moi, si c'était que moi, je l'aurais gardé. Ouais, je te connais. Ah bon, ok. Vous me la faites pas, moi. Alors moi aussi je peux appuyer sur R2 en même temps que le R1 Enfin pardon, je peux appuyer sur R1 en même temps que le R2 quand je sprint pour avoir aussi un appui, un soutien, un autre ordinateur qui m'accompagne dans la course. Mais bon, ça c'est une touche très classique, très basique, je ne vous apprends rien. C'est que pour les connaisseurs. Oui, voilà. Oh là là, et Smalling qui récupère avec difficulté. Oui, mais quand il y a Kylian Mbappé derrière, mon pote, il y a une pression là. Le joueur le plus rapide du jeu apparemment. Du monde. Du monde, pardon. Oh là là. Non. Oh, il était pas en jeu. Si, il était en jeu, c'est pas grave. Au moins, on se met en confiance là. Très beau centre, très belle tête. Donc vous voyez que par exemple, je me prends une sacrée piquette. Heureusement que c'est pas un versus quoi, et que c'est qu'un test quoi. Du coup, c'est la piquette, Jack. T'es mauvais. Oh là là, c'est technique ça, c'est technique. Qui est ce joueur? Hop. Je suis si mauvais que ça. Hop. Pour visiter un. Allez, on ressort tranquille. C'est sûr qu'il y a énormément de monde, mais c'est une ferveur incroyable. Cavani. Alors comment vous dire, les choses. Mais tout beau. Oui, tu vas la prendre la balle quoi. T'es sérieux ou quoi? Ça sert à rien en fait de faire des passes entre tous les joueurs pour essayer de te perdre, parce que j'ai l'impression que le jeu il counter ça avec ce nouveau dispositif. En fait c'est ton dispositif à la con en fait qui me fait chier quoi. Tu sais comment je joue maintenant depuis X temps et du coup t'as... Hop. Oh, Ellison Cavani. Au moins tu l'as mis ton but de la tête maintenant. Et voilà. Une bonne chose est faite. Ils sont beaux. Ils ont même fait les boutons sur Kurzawa, c'est super bien fait. Ils ont même fait les ch'tards sur la gueule, si ça c'est pas beau. Ah, il avait l'air bien content. Il va y avoir qu'un but, oui. Il n'y a plus les centres avec deux joueurs au centre de la... du terrain. Maintenant, c'est toujours une passe en retrait, là, au début. Tu peux appeler un deuxième joueur ou pas? Tu peux l'appeler. Dans le 16, oh, culé. Je vais faire un brouillon, je reviens. Dans le 18, tu pouvais le faire. Mais je me dis que tu dois toujours pouvoir. Ouais, tu auras l'occasion d'essayer plusieurs fois dans le match, t'inquiète. Meilleur arrière droit du monde. Thomas, mais putain, Philippe Lahm, il a son âge, il joue plus au foot. Ah bon? Oui. Qu'en est-il de la guerre d'Algérie? On ne me tient pas au courant. On me tient au courant de rien ici. J'ai beau faire des passes à dégager la balle pour essayer de me cycler. T'es sérieux? Non, arrête. Ah non, salaud! La transversale qui me sort. Espèce de gros nul! Pas très chanceux sur cette action, vraiment. Surtout, mais non, mais c'est ouf, je veux faire la passe en bas, il l'a fait en haut. C'est incroyable. Ça, c'est tout lui, ça. C'est tout lui, hein. Toujours indécis. C'est... Edinson Cavani. Aïe, pénalty pour Lyon. Marco Verratti, le tir. Siret pour Evian Tonon Gaillard. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah là 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 là, attention, tu joues avec le feu, Dimitri. Désolé, chef. J'ai glissé. Un peu là, partez. Toi, t'as glissé. Putain, je devrais prendre un carton pour ce que je viens de faire là. Et là, regarde, la vitesse. Hop là, retour intérieur, retour extérieur. Et le petit centre raté. Non. Je vais au moins en mettre un pour sauver le... Non, okay. C'est la mi-temps. Non, mais tu m'as mis deux buts à l'aller, il y aura deux buts au retour, tu vas voir. Ça va se finir sur un 4-0, du coup. Exact. C'est pas mal. C'est pas l'heure des changements encore, inutile de le montrer de suite.
Mais graphiquement, alors, du coup, il est beau, on est d'accord. Il est beau, les émotions sur les joueurs, tout ça. Les contacts sont mieux faits. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est propre. Tu l'as dit. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ce Manchester United est similaire à celui qui joue actuellement, là. De là à perdre face à West Ham. Ils sont nus. Et donc, Mourinho, pour toi, va bientôt se barrer. Bah, j'espère, le problème c'est que. Bon, on entendait énormément de cet entraîneur qui lui avait quasiment tout gagné dans sa façon de jouer. C'est limite si on regretterait Louis Van Gaal à l'époque. Je sais pas. Ouais. On n'est pas sûr David Moyes non plus. On n'est pas sûr du Laurent Blanc. Vous auriez dû acheter Laurent Blanc là. Sur Laurent Blanc, tu crois ? Pourquoi il est un agent libre ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Oui, depuis qu'il est parti du PSG. Non, sérieusement, il n'est plus entraîneur ? Bah, il attend. Oui, remarque, oui. Sélectionneur ? Non, il chill. Ah ouais, il chill lourd quoi. Profite de la vie. Marco ! Adrien Rabiot ! Oh, le contrôle, Adri ! Con ! Ok, alors, on va essayer du coup de jouer. Allez, Cavani ! Cavani, mais quel grinta ! Il redescend ! Oh là là là, c'est bon. C'est récupéré in extremis par. Gardien ! Alphonse Areola, on a peut-être eu raison de lui faire commencer. Comment ? Tu l'as dévié, non ? Ou alors c'est moi qui me suis réellement chié sur le centre. Les deux sont possibles. Ok, ouais. Probable l'option 2, je pense. Est-ce que... Oui, Kylian. Non, Kimpembe. Ouais, il gagne la possession. C'est le bruit, lui, c'est du catch ou quoi ? C'est bagarre. Oh, t'es sérieux. Allez, on fait ça tranquille. Attends. Regardez. Cible à rattraper, ce joueur. Putain, mais si. C'est quoi ce... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il dégage. C'est ouf, mais même mes contrôles et tout, t'as tout qui est favorable, c'est incroyable. Regarde ça ! En fait, vous assistez en fait à une vidéo qui est exclusive, parce que non seulement elle a sens unique, comme d'habitude, mais qu'est-ce qui la rend unique ? C'est qu'en fait, c'est mon dernier match, j'arrête FIFA après. Je ne joue plus. C'est terminé. C'est trop nul. J'essaie de faire des passes, tu vois, un peu dangereuses, qui permettent d'aller trouver Monsieur Santable, pardon, Sanchez, mais... Oh 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 ! La détente de Alphonse Areola ! C'est un gros gardien. Tu le sais, hein. Moi si tu me pousses à bout, je vais refaire mes tirs d'artilleur et puis... Est-ce que ça marche ? Ça rentre plus, Mes tirs d'artilleur... Allez, non. Lâche rien, gamin, lâche rien. Tous. Putain, bat-toi, Eddy. Et là, regarde-le, il part, non ? Il part pas ? Oh là là, et là, oh oui, c'est bien donné. Oh, il s'est gamellé, et il fait la passe, et c'est but. C'est pas contre son camp, je sais pas, peut-être. Oui, si, c'est contre son camp. Bien joué. C'est qui ça, c'est Eric Bailly? T'es sérieux? Il semblerait bien que oui, regarde là. Mais cette passe aussi. Ouais, je sais pas, c'est compliqué à dire. Je sais pas. On pourra en parler pendant des heures, ouais, c'est contre son camp. C'est une belle tollée. Exact. On a vu pire. Oh mais non, mais arrête, mais pourquoi il avance trop lui? Polo, qu'est-ce que tu fous? T'es au milieu toi normalement. Je sais pas quoi faire, t'as trop de joueurs qui sont trop bien dispatchés quoi. J'ai l'impression que moi les miens c'est des puzzles quoi, mais sauf qu'il manque plein de pièces partout. Bah c'est ça de jouer avec un petit club. Ah ouais. Genre. Ah non, j'avais vu Edinson. Oh, il a tendu la talonnade, mais quel imbécile. Il est gourmand, j'adore. Et il tombe au sol. Oui, c'est crise cardiaque. Blessure. 80e minute, ce serait pas le temps des changements. C'est le temps du changement, tu penses? Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. Phrase de qui déjà? C'est bon de France. Oui, c'est je comprends. C'est ça, hein, changement, c'est maintenant. Je suis pas sûr, arrête, ne me parle pas. Je ne sais pas quoi dire. Dis donc, tu es lent, toi? On va sortir Angel. Bien sûr, il est droitier, c'est nickel. Et est-ce qu'on ferait pas rentrer un petit Diarra pour verrouiller tout ça? Allez. Est-ce qu'on a vraiment besoin de verrouiller tout ça, hein? Oh, le nul. Tu sais quoi, je vais foutre Fred en milieu offensif et je vais changer Sanchez et je vais mettre le bon vieux Anthony Martial. Anthony, quel grand dérougador. Ah, ça. Dégoûté qu'il ait pas été sélectionné d'ailleurs. Ouais, mais bon, là, il y avait du bon monde. Et regarde, on a gagné, alors qu'est-ce que... Oui, c'est vrai. Après, il y a un joueur aussi, je me suis dit, mais il y est pas, en fait. Et moi, je l'aimais beaucoup, ce joueur, c'était... Oh, le petit là de Neymar, c'est incroyable. Mbappé, Neymar, la connexion est parfaite. C'est la 4G ou quoi? Je disais, c'était Morgan Schneiderlin.
Ouais, mais bon, non. Non, mais après, tu me diras, il aura rien à apporter à l'équipe de France. Mais moi, je l'aimais bien. Moi, je l'aimais bien ce joueur. Oui, c'était un très bon sympa, milieu défensif. Il est très sympa. C'est ton boulanger, t'as envie d'aller acheter du pain parce que ton boulanger est sympa. Oui. Est-ce que ça suffit pour être en équipe de France? Je ne sais pas. Oui, ce n'est pas ce diable de N'Golo Kanté, c'est sûr. Ah putain, incroyable. Qui est meilleur que N'Golo Kanté en milieu défensif selon toi? Personne. Moi, j'ai mon père qui est pas mal en milieu def, mais à part ça, je. Non. Oh là là là, il me met le feu là-haut. Antonio. Il vient de rentrer en plus. Et qui est vachement mieux fait parce que c'est pas raciste ce que je vais dire, mais dans l'ancien, on avait un singe. C'est un peu raciste quand même. Non, mais non, oublions la couleur de peau, mais franchement, tous avaient. Mais même certains gars blancs, genre Matic, ouais, mais, on va dire macaque. Oui, mais vu que moi je sais que t'es raciste, du coup, ça. C'est vrai, putain, ouais, j'oublie à chaque fois que je suis raciste et moi-même. Tout toi ça. Dis donc, est-ce qu'on serait pas en train d'artiller de loin là? Je sais pas, tu vois, j'essaye de faire ce que je peux, je joue mes derniers cas. Hop là, Ashley Young. Non mais c'est dingue ça, il me rattrape, mais j'ai rien ouais, du coup vite. Ashley Young se laisse pointer. Ouais. Distancé. On va dire ça à personne du coup. Tu n'avais personne, alors hop. Tranquille les gars. Oh là là, c'est fini? C'est déjà fini. Et voilà. J'ai rien pu faire. Le combat était à sens unique, comme on s'y attendait. À savoir qu'entre toi et moi, Flo, je dois gagner même pas. Non, en fait, je partais sur un match sur 10. Et donc, regarde, pourquoi ils disent 4-0 et on voit que 3 buts? Ah bon? T'en avais que 3? Je sais pas, j'ai pas vu. Il est vachement bien fait, Kanté. Ah, ils sont contents, ils ont gagné. C'était pas Kanté? Oh, mince. Oh non, il est raciste. Il avait compris. Oh là là. C'est qui ça? C'est Rabiot aussi avec sa coupe de l'extrême avec son maillot des remplaçants là derrière. C'est possible, il avait les cheveux longs, une grosse touffe. Oui, oui, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Ah, on reconnaît. Oh là 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 là, il a fini. Ça, c'est prémonitoire. Retenez bien ça. À la fin de l'année, la Champions League, elle est pour le Paris Saint-Germain. Bon, je pense qu'après, on aura à peu près tout dit sur la mécanique de jeu, enfin, du moins l'essentiel à savoir dans le jeu, la beauté, ça parle même. T'as vu les maillots et tout, le plissement et tout, enfin, c'est super bien fait. Très bien. Eh bien, écoute, en tout cas, bon, on va laisser tout le monde sur cette image. Oh, et c'est Thiago Silva. Putain, moi j'en rêve de cette image, putain. Il y sera peut-être bientôt, qui sait. Croise les doigts. Starful, hein. Manchester l'a déjà levé cette coupe. Oui, pas toi. Voilà, c'est ma seule punchline de la soirée. Elle a fait très mal. Bon, eh bien écoute, je te remercie du coup de m'avoir éclaté la gueule. Bon, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite un bon retour en Chine d'ici demain. D'ici demain, merci d'ici beaucoup. Demain. Et pour vous tous, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test. J'essaye de me remettre et de pas me suicider avant le prochain. Portez-vous bien tout le monde et à ciao. Je t'aime. Moi aussi. Coupe qui va passer de main en main, tout le monde va avoir son petit moment, c'est 5-10 secondes avec la coupe dans les mains, j'imagine. Ouais, du moins un club français qui gagne, ça me va. Alors s'il y a une photo sur laquelle il fallait être hein, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est celle-ci. Hein, Pierre. Ah, c'est sûr que ça c'est un moment important, moins important que le match, mais important quand même.